Lors d'un des cours de danse pris en secret chez Madame Bataille, Loulou rencontre le peintre Degas. J'ai l'impression de vous connaître, mademoiselle. Grâce à lui, Loulou apprend enfin qui étaient ses parents. Sophia, quelle danseuse et d'origine italienne, disait-elle. J'ai découvert qui je suis, peut-être une baronne ou mieux encore une comtesse. Je suis la fille d'une danseuse qui s'appelait Sophia et d'un prince charmant du nom de Gauthier de Lagny. Tu n'es ni une baronne, ni une comtesse, mais une véritable duchesse. J'ai découvert que les ducs de Lagny possèdent un château à 40 km de Paris. Il faut y aller tout de suite. Ah, la garce. Mais suivie par une des filles Ribounet, tout le monde découvre avec stupeur qu'elle prend des cours de danse en cachette. Je constate, mademoiselle Loulou, que vous n'avez pas perdu le goût de vos escapades nocturnes. Allons, mademoiselle, un peu de nerf. Elle n'est toujours pas là. Je trouve très bizarre que Loulou ne soit pas encore venue ce soir. Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vue. J'irai faire un tour chez les Ribounet. Elle m'avait pourtant promis de ne pas rater un seul cours. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Les Ribounet peuvent m'enfermer, mais ils m'empêcheront jamais de danser. Et un, deux et trois. Encore eux. Même pas foutu d'éteindre sa bougie. Cette petite peste se croit à l'hôtel ou quoi? Bonjour, monsieur Degas. Tout va bien, Loulou? Dites à madame Bataille que je suis désolée, mais je pourrai plus assister à ses cours. Et alors, vous avez fini son portrait? Non. Vous devriez vous dépêcher, parce que cette mijaurée sera bientôt plus là. À force de faire la bourrique, elle va partir en maison de correction. Mais qu'a-t-elle fait? Oh, elle a eu le culot de désobéir à sa tutrice, mademoiselle Truchu. Cette espèce d'effrontée a osé prendre des cours de danse pendant la nuit. Vous vous rendez compte ce qui pourrait lui arriver à cette sale gamine, seule la nuit dans les rues de Paris? En maison de correction, là, il ne lui arrivera rien. On dit qu'ils enferment les enfants dans des cellules glacées et qu'ils les battent pour un oui ou pour un non. Ben ouais, mais c'est comme ça. Faut bien leur apprendre la vie aux enfants trop turbulents. Au fond, vous avez raison. Je vous enlève la petite. Il faut absolument que je termine ce tableau avant qu'elle finisse dans un de ces trois rats. Ah oui, mais merci mon bon prince, elle est à vous pour l'après-midi. Oh là, oh, c'est ici? Oui, c'est ici, merci. Vous croyez tu vraiment aucune que... raison d'avoir peur. Une seconde, voilà. Mademoiselle Loulou, ça c'est une surprise. Madame Bataille, ça faisait un bail. Bonjour, Émile. Contente de vous revoir, Émile. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes venus voir mademoiselle Truchu. Ah bon? Qu'est-ce que vous lui voulez? Lui enseigner les bonnes manières. Ah, ça m'étonnerait que vous y arriviez. Pas la peine de nous annoncer. Nous préférons lui faire une surprise. Descends. Ah! Qui vous a permis? Madame Bataille? Loulou? Mais qu'est-ce qui vous... Alors, vieille harpie, vous voulez envoyer mon élève en maison de correction? Je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Et puis sachez que cette mauvaise graine s'est permise toutes sortes de frasques. Seule une maison de correction pourra avoir raison de son sale caractère.
Selon vous, désobéir, c'est venir prendre des cours de danse. Oui. En fait, non. Signez cela. Qu'est-ce que c'est? Une autorisation de la tutrice de Loulou, en l'occurrence vous, lui permettant de venir prendre des cours de danse chez moi. Pardon? Vous rêvez? Non, mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Vous allez signer ou je vous garantis que j'irai raconter à l'évêché comment vous abusez d'une orpheline en la faisant travailler. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Elle ne travaillera bientôt plus. Je vais l'envoyer en maison de correction. N'oubliez pas que j'ai tous les droits sur elle. Il suffit que je poste cette lettre et Loulou finira dans une sec... Méfiez-vous, nous avons assez de preuves contre vous pour vous envoyer, vous, mademoiselle Trochu, dans une cellule. Signé. Jamais. Sortez. Je préfère oublier ce déplorable incident. Oh. Oh, joli magot. Ne touchez pas à mon argent. Votre argent, vous dites? Cet argent, c'est l'évêché qui vous le donne pour le bien des orphelins, mais que vous gardez pour vous. Non, mais... Nous vous proposons un marché. On ne vous dénoncera pas et en échange, vous signez le papier qui est devant vous. Et mon argent? Gardez-le. Signez maintenant. Cette lettre pour la maison de correction, il n'en aurait plus besoin. Ce n'est pas tout. À partir de maintenant, les gages de Loulou doivent lui être versés intégralement. Transmettez à Madame Ribounet. S'il vous plaît, rendez-moi les chaussons de danse rouge que vous m'avez confisquées. Quelle toupée, vous croyez tout permis, ma parole? Quand je pense que je vous ai tiré du caniveau, petite ingrate, et pour vos misérables chaussons, c'est trop tard. Quelqu'un me les a pris. Qui? Un individu peu recommandable, qui se promène avec une canne au pommeau d'argent. Quelqu'un que vous connaissez, j'imagine. Combien de temps encore vas-tu te cacher? Patron. Qu'est-ce que tu veux, Dédé? Ben, c'est qu'il est l'heure, patron. Nous devons partir pour le château du lac des Cygnes. Le lac des Cygnes. C'est merveilleux, tu te rends compte? Je n'ai plus à me cacher pour aller danser. Hé, ah. Hey, qu'est-ce que tu manges? Oh, mais c'est le journal qui entourait les chaussons de danse de maman. Oh, ça alors! Marcel, vite, ouvre-moi! Tu es parfait, un vrai petit apprenti. Votre ami le pâtissier Humbert qui organise la réception de Bois-Robert ne devrait pas être déçu. Un petit four, monsieur Duchesne? Il manque un petit détail. Étant donné que Bois-Robert et l'homme à la canne d'argent t'ont déjà vu à mes côtés, mais ça, ils ne te reconnaîtront pas. Ça te va bien. Si j'étais toi, je me laisserais pousser la moustache. Avec les trois poils qui se battent en duel sur mon menton, j'aurais bien du mal. Et puis, je me demande comment Loulou me trouvera avec une moustache. Il y a de la visite pour le jeune homme. Quand on parle du loup... Bonsoir, monsieur Duchesne. Bonsoir, Gabi. Tu as l'air d'un monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Tu as trouvé un nouveau boulot? Et toi, qu'est-ce que tu fais par ici? Tu te rappelles du journal qui entourait les chaussons de danse que m'a laissé ma mère? Oui, je m'en souviens. Regarde, figure-toi que je n'avais jamais eu l'idée de le lire, mais je crois que ma mère ne l'a pas choisi au hasard, ce journal. Il date du 7 novembre 1887, et il y a un article qui parle de mon père, Gauthier de Lagny, recherché pour le meurtre d'Édouard Bonfils, secrétaire particulier du baron de Bois-Robert. Je me souviens que cette histoire avait fait scandale à l'époque. On doit en avoir gardé une trace dans les archives du journal. Voilà, nous y sommes. Le jeune et flamboyant héritier Gauthier de Lagny, poursuivi par la police. Gauthier de Lagny a été surpris en flagrant délit d'assassinat sur la personne d'Édouard Bonfils, secrétaire particulier du célèbre baron de Bois-Robert. Il est en fuite. Il faut retrouver Gauthier de Lagny. Allons, Dédé. Il n'y a pas un instant à perdre. À vos ordres, patron.
Dédé, nous devons également retrouver la femme de Gautier et sa petite-fille. Il semblerait que M. Édouard Bonfils, secrétaire du baron de Bois-Robert, lequel gérait la fortune des Lanny, ait eu des différends avec l'héritier de cette illustre famille, Gautier de Lanny, dont les extravagances ont souvent fait scandale. Tiens, tiens. Bois-Robert gérait donc la fortune des Lanny? Et je parie qu'il la gère encore. Mais alors, mon père serait un meurtrier? Y a pas de preuve. Attends, on reparle de l'affaire 2 jours plus tard. Dans une lutte à mort, un valeureux policier risque sa vie pour arrêter l'aristocrate criminel Gautier de Lanny. Quoi? Un policier? L'homme à la canne d'argent serait donc un policier. Si vous voulez t'enfuir, attrapez. Si vous n'avez pas pitié de moi, et au moins pitié de ma femme et de mon bébé! En tentant d'échapper au policier qui le poursuivait, Gautier de Lanny tombe d'une falaise et trouve la mort. L'homme à la canne d'argent a tué mon père? Le baron de Bois-Robert, exécuteur testamentaire des Lanny, a qualifié de malheureuse toute cette tragique histoire et il a demandé que l'enquête soit rapidement close pour que le nom de Lanny ne soit pas trop sali par le scandale. Tout à coup bien délicat, ce Bois-Robert. La vérité se trouve sûrement au lac des Cygnes. Alors dimanche prochain, je dois t'accompagner à la réception de Bois-Robert. C'est pour ça ton déguisement d'apprenti? Je ne dirai rien. C'est beaucoup trop dangereux. Tu ne dois pas venir. Vous aussi, monsieur, vous pensez la même chose? Gaby est un garçon sensé. Il vaut mieux le laisser agir seul. L'accompagner serait de la folie. La seule folie pour moi, monsieur, ce serait de ne pas connaître la vérité. J'en ai assez de tous ces mensonges! Attends! Mais Loulou! Loulou! Ne t'en va pas comme non. ça! Reste. Relevez, étirez et restez. Quatrième position des bras. Seconde, grand jeté, relevé. Une amie pâtissière? Tu es folle! Qu'est-ce que tu fais là? Bah, le dimanche étant mon jour de repos, j'ai demandé à Marcel du journal de m'indiquer l'endroit pour prendre un bol d'air pur. Attention, monsieur, votre moustache se fait la malle. Je me demande bien quel est le plus têtu de vous deux! Enfin! Je suis sûr que notre bon pâtissier Humbert sera tout à fait enchanté d'hériter d'une nouvelle petite apprentie! Coquine! Thank you.
merci du coup de main que vous nous donnez, mon cher Humbert. Et un plateau de petits fauves, hein? C'est la moindre des choses. Et puis, pour être franc, je ne porte pas vraiment le baron de Bois-Robert dans mon cœur. En tout cas, les invités du baron ne mourront pas de faim. Pour sûr. Ils ont commandé en grand, comme au bon vieux temps des réceptions du château. Il y avait de grandes soirées dans le passé? Oh, et comment? Du vivant de Jean de Lagny, on savait recevoir avec faste. Mon père devait souvent engager des pâtissiers supplémentaires. Qui était Jean de Lagny? Le dernier duc de Lagny, mademoiselle. Il est mort en l'an 1887. Et Gautier de Lagny? Gautier? Ah, c'était le fils de Jean. Je l'ai bien connu, Gautier et moi. On allait à l'école ensemble. Un garçon sauvage toujours prêt à faire les pires farces. Je l'aimais beaucoup. Où est-il maintenant? Lui aussi, il est mort en 1887. Une année maudite pour les Lagny. Ils ont été balayés tous les deux par une terrible tourmente. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire. Oui. Ce Gautier, il était marié? Non, Gautier n'était pas marié. Peut-être fiancé? Il fréquentait une danseuse d'origine italienne. Mais je crois pas que ses parents appréciaient beaucoup qu'il soit amoureux de cette fille. Je me souviens, un après-midi, un dimanche, comme aujourd'hui, Gautier est arrivé chez moi comme une tornade. Il voulait qu'on lui prépare un pique-nique. Il était avec une jeune fille dont le visage était caché par un châle. Ce qui m'avait le plus frappé, c'était ses yeux, d'un bleu intense, un peu comme les vôtres, mademoiselle. Bien, je crois qu'il faudrait se hâter, sinon les invités du château vont s'impatienter. Soyez très prudent. Courage et retrouvons-nous pour le train du soir. Essaie de trouver ce que mijote Bois-Robert. Loulou, j'ai un peu peur. Oh. Et voilà le château des Lagny. Magnifique, n'est-ce pas? Cet endroit m'a toujours fait rêver. Regardez derrière, les enfants. Oh. Automobile. Faut être sacrément riche pour en posséder une. Et je crois bien que son propriétaire est cousu d'or. C'est ce monstre de Bois-Robert. Ce que je vais, la campagne, c'était pas trop tôt. Ah, bonjour, ma bonne Maria. Tout est prêt pour nous inviter? Oui, enfin presque, monsieur le baron. Nous n'attendions plus que le buffet de notre pâtissier. Ils ont pris leur temps. Allons voir. Ah, il vient. Reste naturel et tout se passera bien. J'espère que vous avez tout fait pour que nos invités ne soient pas déçus par votre buffet. Non, ça fait un siècle que notre maison est au service des Lagny. Et ils n'ont jamais été déçus, monsieur le baron. Tant mieux, Humbert. Mais vos apprentis seront-ils à la hauteur? Ce sont de bons éléments, monsieur le baron, envoyés par une école d'hôtellerie qui a choisi ses meilleurs élèves. Non seulement ils seront à la hauteur, mais en plus ils feront tout pour bien vous servir. Ah. Parfait. Monsieur le baron. Eh ben, on dirait qu'il vous a à la bonne. Oui, mais pas pour longtemps. Allons, allons, pressons. Dépêchez-vous de dresser le buffet. Dans le grand salon, à côté de la galerie des portraits. Allez, allez!
les chaussons. Gautier de Lagny. Ne reste pas planté là. Tu vas te faire remarquer. Tiens, aide-moi. Mais par contre, il faut servir les invités. Arrêtez-vous, jeune homme. Monsieur. Merci, garçon. Au Corneille. Va vite apporter ce chariot à Madame la Duchesse de Lagny. Ma très chère Éléonore, voici enfin ressuscité les fastes du château. J'aurais tant aimé que mes yeux puissent voir ça. Allons, jeune fille, apportez donc ces gâteaux à Madame la Duchesse. Excusez-moi, mais je dois m'occuper de mes invités. Quelle pâtisserie me conseillez-vous, ma chère petite? Les mille feuilles, madame. Eh bien, servez-moi. Délicieux. Je reconnais cette touche délicate propre au pâtissier Humbert. Votre voix ne m'est pas familière, mademoiselle. Vous êtes probablement ici pour la première fois. Oui, madame. Vous avez dû rentrer à l'école hôtelière fort jeune. Vous devez être très jolie. Quel âge avez-vous, mon enfant? Bientôt 13 ans. Comme mon arrière-petite-fille, si elle avait vécu. Comment s'appelait votre arrière-petite-fille? Lorraine. Elle s'appelait Lorraine, mais sa mère l'appelait Loulou. Je vais en finir. C'est rôle à moi d'accomplir vile besogne, vous oubliez. Eh bien, allez-y. Je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi avez-vous fait ça? Il ne vous avait rien fait, monsieur.